Monsieur Jensen, votre limousine est avancée. T'es prêt? Ouais, allons-y. Super. Détroit local, ici Bravo Echo Echo 008 de Sarif Industries. Poursuivons le plan de vol. Richard, vous avez l'adresse de cette usine? Je n'ai qu'une zone de recherche, Jensen. Alors explorez-la et fouillez tout ce qui vous semble sortir de l'ordinaire. Je continue à surveiller la fréquence au cas où elle est mettra. Eh, ça va, mec? Ça te dirait de nouveau jouer? Je peux te faire un bon prix, hein. Pourquoi pas? On a toujours besoin de matériel. Qu'est-ce que vous avez? On a un matos d'enfer en ce moment. Alors tu veux quoi? J'aurais besoin de munitions. Munition standard pour le monsieur. Merci. J'aurais besoin d'un ou deux renseignements. Ouais, si je peux t'aider, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vous avez vu des trucs suspects dans le coin? Suspect, c'est pas le mot, mec. Mais il y a un balai de grosses berlines qui vont et qui viennent. Ils sortent le grand jeu. Qui ça, il? Ben, c'est ça le problème. C'est pas toujours les mêmes, en fait. Les fédéraux ont commencé à acheter tous les terrains des anciennes usines textiles jusqu'à il y a un mois. Et puis là, ça a commencé à s'agiter dans cette saloperie. Un truc, vraiment... Quel mot t'as dit déjà tout à l'heure? Suspect. C'est ça, suspect. Il se passe des trucs vachement suspects. Ces gars des forces spéciales, ils sont installés dans l'usine. Ils ont l'air d'être sur une grosse opération. Ils ont chopé mon pote qui essayait de monter un business dans le coin. Red mort. Ouais, je vois. Les gars des forces spéciales, ils sont toujours là? Ah, ça, pour être là, ils sont là. Ils ont une patrouille dans la cour, des tireurs d'élite sur les toits, la totale. Le truc, c'est qu'on voit passer pas mal de camionnettes du gouvernement depuis quelques jours. Alors ça m'étonnerait pas qu'ils déménagent pour laisser la place aux fédéraux. Merci. Et voilà. Autre chose? J'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Ok, mon gars. À plus tard. Et reste cool.
un problème. Manderley était censé s'occuper de la morgue et la faire boucler. Mais quelqu'un a pu toucher au cadavre avant nous. On peut se réorganiser et trouver qui est l'intrus. C'est trop tard pour ça. On efface nos traces. Mais... et pour le Hollandais? Aucune trace, Barrett. Je m'en occupe. Malik, cache-toi vite, maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont ici. Les mercenaires qui ont tué Megan et son équipe. Merde! J'y vais.
Richard, mets-moi en ligne avec Sarif. On a peut-être un problème. Génial. Adam, qu'est-ce qu'il y a ? L'usine. Celle d'où venait le signal du pirate. Elle a des pancartes de la FEMA partout. Je crois que c'est une sorte de camp d'internement. La FEMA ? Impossible. Le gouvernement représente la moitié de nos contrats. Je sais. Mais les soldats qui nous ont attaqués sont ici. Et d'après ce que je peux voir, ils ont accès à du matériel ultra moderne. Je vais passer quelques coups de fil. Découvrez qui donne les ordres. Et rappelez-moi. Ramasser nos affaires et se tirer. Ouais, mais je vais pas attendre que Skignol revienne avec son chariot élévateur. Crois-moi, ça va aller plus vite à ma façon. Tu vois, pourquoi porter quelque chose qui peut marcher? Ouais. Et pourquoi elle bouge plus de là? Attends, attends. C'est forcément un de ces boutons. Il est là, quelque part. Montrez-vous! Poursuivez les recherches. Compris. J'approche de l'endroit. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Cherche encore. Ça me plaît pas tout ça. Non, 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 non.
Y'a pas de possible. C'était des coups de feu.
le secteur, il est toujours là. Thank you.
Inutile de courir. Accès autorisé. Jensen, la fréquence que nous surveillons vient d'émettre. Je crois que ces types sont en train de décrocher. Ouais, j'ai la même impression. Vous pouvez savoir d'où est venu l'ordre ? Ils utilisent une sorte de code. Mais d'après ce que je comprends, le chef doit être encore un niveau au-dessous de vous. Bien joué, Pritchard. Je me charge de lui.
Regardez qui voilà. Ils nous ont envoyé un Boy Scout. Ça doit être le type qui a bousillé mon opération à la morgue. Élimine-le, Barrett. Mais avec grand plaisir. La cavalerie a des questions à te poser. Ton chef, celui qui t'a appelé Barrett, qui est-ce ?
Pourquoi la FEMA vous envoie attaquer sa Refindustries? FEMA? Tu crois que la FEMA en a quelque chose à foutre? Des petits secrets de ta société de biotech minable? Ah, t'as des ennemis bien pires que ça. Ouais? Comme qui? Qui? Va à Shanghai. Ensha Court Gardens. Dernier étage. Dis-leur. Dis-leur. Dis-leur que Barrett t'a envoyé en enfer! Jensen, comment ça se passe de ton côté? Ces soldats viennent de filer sans demander leur reste. Ils t'ont vu? Non, j'étais tout feu éteint au cas où ça chaufferait. Tu vas bien? Ça va. Passe-moi ça, Riff. D'abord, je t'évacue d'ici. Va à la ZA, je te récupère là-bas. Tu es prêt à partir d'ici, Jensen? Ouais. Ramène-nous au quartier général. J'espérais que tu dirais ça. Monte et accroche-toi!
Jensen, j'ai besoin de vous parler. Rejoignez-moi tout de suite dans votre bureau. J'aimerais bien, Francis. Mais je dois d'abord faire mon rapport à Sarif. Vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez écouter ce que j'ai à dire au cas où ça changerait votre rapport. Terminé. Il nous faut tout le monde en alerte. Camp de prisonniers secrets caché à Highland Park? Mais tu rigoles? Comme une trahison. Dis seulement qu'il faut être prêt pour tout. Alors ouvre l'œil et signale toute personne suspecte. D'accord. Tout le monde reste concentré tant que Taggart et sa suite sont dans le bâtiment. Idole du jour au lendemain, mais... Taggart a quelque chose que je trouve assez... C'est un réel. Je sais, mais il y a eu ce truc. Je lui ai demandé s'il était déjà vu à Détroit. Que voulez-vous? Ça me fait mal de dire ça, mais j'ai besoin de vous. Le signal que vous avez désactivé dans le territoire des FDR, il était actif depuis presque un an. Vous voulez dire que quelqu'un d'extérieur à l'entreprise avait accès à notre réseau bien avant la première attaque? J'ai déjà détecté des intrusions et je les ai neutralisées à chaque fois. Mais celui qui a conçu cet algorithme est bon. Très très bon. Vous l'avez dit à Sarif? C'est ça le problème. Ces intrusions n'ont été possibles que grâce à une backdoor dans notre système de sécurité dont j'ignorais l'existence. Celle dont l'équipe de Sanders s'est servie pour pénétrer dans notre usine. Je travaille ici depuis 7 ans, Jensen. Et c'est la première fois que je vois ce port ouvert. David Sarif l'a créé, spécialement pour contourner le pare-feu. Il cache quelque chose. Et je crois que vous devriez tâcher de découvrir quoi. Pourquoi moi? Parce que d'après ce que je peux en juger, Sarif a ouvert cet accès et a commencé à y faire transiter des tonnes de données peu après que votre petit ami lui a suggéré de vous engager. Vous n'avez pas une enquête à mener ?